Nous saluons tout le monde qui a toujours été branché sur Cité qui va ici aujourd'hui. Ça fait quelques jours que nous n'avons pas parlé sur site là. Et je dis à nous bien contents de retourner pour nous partager avec vous quelques informations sur Zéa Maïs, comme tout le monde connaît, sous nos maïs. Maïs fait partie de la minéraux, tant que Dini, Petini, à Campine, notre encore. Nous sommes capables de récolter deux et même trois récoltes maïs dans une année selon la variété, selon la géométrie, température et système d'irrigation zone. En plus, le pays dans le monde consomme maïs et Haïti fait partie du pays. Et même là, où tu as joué un haïtien qui n'a pas mangé maïs, soit à quoi, mais la difficile pour ne pas manger dans l'autre sens. Quand je fais un pile recette avec maïs. Maïs lui-même, il contribue à l'activité économique. Quand il permet de rentrer l'argent, il vend maïs, il rentre l'argent et il joue maïs pour mettre la caillou pour manger. Donc, c'est avantage ça, maïs lui-même, il offre aux producteurs. Donc nous encourageons tout le monde qui nous cultive maïs, parce que nous, maïs lui-même, il contribue à l'activité économique. Mais conseil nous porter pour les planteurs, malgré de nos jours, le changement climatique, là, parfois il y a quelques petits problèmes, mais nous conseillons les planteurs maïs, mais qu'ils vont planter. Choisir deux saisons pour planter. Et nous conseillons tout, nous sommes de planter des variétés qui résistent. Surtout les gens qui sont dans une zone côté qui n'a pas de l'eau, ou bien côté qui n'a pas de système d'irrigation. Côté système d'irrigation pas facile. Nous conseillons les gens qui planter des variétés qui résistent avec sécheresse, afin que eux-mêmes soient capables mieux. Fait culture maïa. Donc c'était Agonome Viviane Télé, on t'attendait sur cette équipe Haïti aujourd'hui.